Salut à tous, c'est Ronin. On se retrouve pour la seconde partie de l'épisode 6 de Dark Souls. Alors là, on a vaincu le boss et bon, on y va, hein. Alors j'ai équipé le bouclier du chevalier noir car il résiste très bien aux attaques de feu. Je vais mettre des vies d'ailleurs. Enfin, je vais m'équiper de mes vies et de mes sorts de foudre. Quoique d'abord, j'ai cette transpiration abondante. Et là, on va invoquer la personne qui nous a envie tout à l'heure. Voilà, elle est juste là. On va attendre un petit peu hein, qu'elle arrive. Vous allez voir, c'est pas un boss très très dur. Enfin, j'en ai pas souvenir en tout cas, parce que jamais eu du mal à ce boss. Je vous laisse la cinématique. Ah, c'est une grosse araignée. Assez dégoûtant quoi. Voilà, alors on y va. Alors, heureusement qu'on a mis transpiration abondante parce qu'au moins on résiste de façon spectaculaire à ces attaques. Vous voyez, hein, résistance énorme au feu. Et comme ces attaques de feu, ben on a de la chance. Hein. De la chance d'être des pyromanciens. Oui, nos sorts de foudre vraiment très utiles. Même si on aurait pu faire 100, je vous montrerai juste après que les sorts de feu sont vraiment useless. Alors vous avez même votre bouclier, un super bouclier radé. On perd vraiment très peu de vie. Très peu de vie et très peu d'endurance on perd. Parce qu'on a un bouclier qui résiste énormément au feu. Oui, même avec mon plus ressort de feu, regardez comment je vais perdre. Rien quoi, hein. D'accord. Et avec mon épée, bah, c'est pas excellent non plus. Donc on a vraiment de la chance d'avoir notre sort de foudre, enfin notre... Bah si vous l'avez hein, si vous l'avez pas, dommage pour vous. Alors là on va remettre transpiration abondante. On y revient les amis. On va venir ce combat acharné. Honnêtement vous avez vu hein. C'est pas un boss compliqué. Il est un petit peu plus si vous avez vraiment rien contre elle. C'est-à-dire vous avez rien contre le feu, vous avez que des armes, des sortes de feu. Il peut être un peu plus compliqué que ça, mais... Et puis équipé comme je le suis actuellement, il ne présente aucun danger. C'est presque les gargouilles m'ont donné plus de mal, quoi. Âme de Killade, plus bête des âmes tout court, je sais plus combien on en gagne, 10 000, un truc du genre. Sachant qu'au dragon, enfin, 20 000, bah 20 000 c'est vraiment très bien. On va avoir de quoi améliorer, enfin acheter nos sorts de pyromancier. Alors là on va continuer, on va prêter serment à un serment. Pour récupérer d'ailleurs des sorts. Alors n'attaquez jamais les ennemis comme, enfin les ennemis. Les bestioles comme je vais vous montrer, parce que sinon vous pourrez pas prêter serment. N'attaquez, voilà je dis n'importe quoi, alors là. Les deux cloches sont sonnées. La forteresse de Seine est ouverte. On ira après cette zone. Hein, donc, pas cette vidéo ni l'autre, mais celle d'après. Seine, ça devrait durer, je pense, une vidéo. Une bonne grosse vidéo pour Seine, c'est déjà pas mal. C'est une zone qui devrait durer à peu près, je pense, 40 minutes, 45, voire une heure. Hein. Je pourrais faire une vidéo d'une heure. C'est comme vous voulez. Enfin, ce qu'on voulait. Enfin, dites-le moi dans les commentaires hein, si vous préférez des vidéos de 20 minutes, de 40 minutes, d'une heure.
Si vous aimez bien une vidéo de 20 minutes, je ferai une vidéo de scène en deux fois. Actuellement, je suis parti plus sur du 30 minutes pour une vidéo. Enfin, entre 20 et 40. 20 minimum et 40 maximum. Bon, sauf pour les premières où j'ai mis un peu plus de temps, mais c'était vraiment pour. Enfin voilà, pour sortir, pour que ça aille plus vite, disons. Alors là, on va récupérer le sort de feu le plus puissant de tout le jeu. Enfin, il est aussi puissant que lui, sauf que. En plus, il dépose un truc de lave sur le sol. Ce qui le rend en fait plus puissant. Hein. Voilà, on peut continuer, mais on va pas y aller. Là, c'est pas activé. Alors là, c'est une prochaine zone, hein. On va pas y aller tout de suite. Attendez, que j'en appelle, parce que c'est ce mur là. Voilà, c'est ce mur-ci. Il faut aller dans ce mur-ci. Voilà, on dit qu'on va perdre du personnel. Voilà, ne pas le tuer, ne pas le toucher, ne pas le taper, ne rien faire pour lui faire de mal. Je vais pas m'enregistrer au feu même si c'est un Jizam. Parce que sinon bah, je dois retourner à papier tandis que là je vais utiliser un os du retour. Elle nous parle pas. On peut en France à faire les tuer. Ce que je fais immédiatement. Prêter serment. Voilà. Et la foule de grandes boules de feu de pyromancie. Qui est pour moi le sort le plus puissant du jeu. Enfin, puissant du jeu, puissant de pyromancie plutôt. Hein. Pas le plus puissant du jeu. Enfin, je pense pas. Os du retour. Et voilà. On revoit feu d'un feu de camp utilisé. Ce qui nous ramène, ben, vous savez où. Alors, d'ici, on va équiper notre sort. Il est où? Ah oui, faut que j'en avais un en plus. Donc j'ai enlevé celui-là et remplacé. Attendez, tout bon que je trouve. Voilà. Plus la boule de feu. Enfin plus, ouais, elle est déjà mise, mais je vais la changer de place. Là, je vais mettre... la grande combustion, donc lance de foudre. Et là, je mettrai la grande combustion que je vais acheter tout de suite. Bon, alors maintenant, c'est franchement en hyper. En hyper, avec ses sorts, vu que en fait, les ennemis. On tuera plus d'ennemis en mettant des sorts moins forts. Vu que les ennemis sont pas trop résistants et qu'on les tue de toute façon quasiment d'un coup. Mais c'est pour après, hein. Bon, je mets les sorts les plus puissants parce que voilà, j'aime bien avoir les sorts plus puissants. Même si je vous le dis, c'est dur en fait de les mettre maintenant. Et je mets rapidement le bouclier qu'il faut avec l'anneau qu'il faut. Voilà. Acheter objet. Grande combustion. Avec laquelle on ajoutera l'orbe de feu ou pas l'orbe de feu. On peut ajouter une orbe de feu. Enfin ouais, je pense pas la prendre en fait finalement. C'est. C'est idiot. Parce que voilà, je pense. J'en ai déjà une, suffit largement pour m'équiper. Alors oui, accessoire, on va faire du dégât. Je sais pas si je peux vous montrer sur un ennemi là. Je vous montrerai juste après. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Hein. Je vous montrerai juste le boss et Kilad. C'est une vidéo vraiment très rapide. La prochaine sera un peu plus longue. Je pense qu'on aura une bonne demi-heure facile. Vu que c'est une zone qui me demande du temps. Alors attendez. Que je place bien ma grande combustion. Voilà, je suis équipé vraiment très bien. Grande combustion, vous allez voir le dégât qu'elle fait, c'est tout simplement énorme. Quoi? Ah oui, d'accord. Ces ennemis qui craignent pas le feu. Vous voyez, 57. Il faut vous dire que c'est deux fois plus puissant que la combustion de base, donc vous imaginez un peu. Et la boule de feu, vous voyez, 85. C'est plus de 43, ça fait voilà. C'est pour vous dire notre idée. On va mieux sur d'autres ennemis en fait, finalement, je me le dis plutôt. 553, enfin voilà. Ça fait du 600 dégâts. Avec 513 plus. Plus le truc au sol, ça ferait plus de 600 dégâts avec une seule boule de feu. Donc vous imaginez un peu les potentiels de 4 plus 4 boules de feu, ça fait 8 boules de feu super puissantes. Plus après, on va encore améliorer, on va encore améliorer notre pyromancie. Donc voilà, on va être assez fort. Bon, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à une prochaine vidéo.